Bonjour à tous et à tous, je vais faire un petit haul action. Alors, j'ai trouvé des nouveautés. Il y avait quatre modèles, j'ai pris ces deux-là. C'est à 1,69€. Il y a 8 patchs de die-cut. Très belle attrape-rêve, un lama qui est très à la mode en ce moment. Ici, on a une planche un peu plus enfantine. Voilà. Des étiquettes. Un trop mimi panda. Ensuite, on passe sur deux feuilles vellum, écriture noire et gold. Huit feuilles de format A4. Très jolie celle-là. Petit triangle et le fameux lama, et pour finir, une planche de stickers. Voilà pour celui-ci. Donc, c'est celui avec le papillon, et voici le deuxième. Alors, pareil. Dans des couleurs très douces. Voilà. Les petits animaux trop choupinous. Les étiquettes. Alors là, c'est un thème un peu sur l'anniversaire. Les couronnes de fleurs. Encore des étiquettes d'anniversaire. Des attrape-rêves. Ça, j'adore le petit renard et le petit hérisson. Et pareil, deux feuilles de vellum. Les feuilles A4. Les plumes trop jolies. Des couleurs aquarelles, un petit peu. Alors celui-là, trop beau, le petit lapin dans son ombre fier. Et la planche de stickers. Alors ces blocs sont donc à 1,69€. Ensuite, moi j'ai repris du double face épais, un alphabet Winnie l'ourson que j'avais pas trouvé et que du coup c'est top. C'est à 68 centimes et une planche de stickers thème marin
pour mon prochain album, pour ma fille qui a été à l'aquarium de La Rochelle, ça sera top. C'est à 99 centimes. Après, j'ai repris un cutter, donc le mien il est, il a la lame un peu naze, à 1,72. Et la Takiglu qui a refait son retour. Donc 3 pots, ça sera top. Et pour finir, du non-scrap, les Kit Kat Chunky et les Lions qui étaient en promo à 89 centimes. C'est ça. Donc voilà. J'espère que ce petit haul vous aura plu. À bientôt!